Deux personnes au-dessus de 100 000 à la table, et Teufelsen qui a été obligé de jouer son tapis dès le préflop en guise de blinde. Allez, c'est joué à 20 000 pour coucou. Les blindes qui sont à 20 000 de toute façon. C'est passé maintenant. L'élimination de Teufelsen, c'est maintenant ou jamais. Et c'est maintenant. C'est maintenant coucou qui l'emporte avec double paire 3-6. Teufelsen éliminé. Et la table finale qui est très très proche maintenant. Et justement, la table finale, les amis. Allez, on se retrouve la prochaine fois pour cette table finale. Allez, bye tout le monde. Et on est donc parti pour cette table finale, les amis. J'espère que vous allez bien, que vous allez super bien, que vous allez très très bien. Pour ma part, en tout cas, ça va extrêmement bien. On est donc à la table finale. La table finale avec 47 783 jetons, ce qui est un gros stack à table, même si on n'est pas parmi les premiers, évidemment. Il y a déjà quelqu'un qui est à tapis parmi les 9 derniers restants. On est encore 9 à la table. Et déjà quelqu'un à tapis, donc ça commence à devenir très intéressant. 5 à 100 mains, on a tapis, c'est joué et c'est remporté. Nouveau tapis dès le début de cette vidéo et c'est remporté. On remporte 96 000 jetons et on se place donc directement sur une nouvelle position qui est la quatrième position à cette table, me semble-t-il. On a gagné une place. Quatrième position à table pour l'instant, quatrième position potentielle, ce qui serait déjà énorme, terminer quatrième sur ce tournoi. Néanmoins, c'est la table finale, les amis. Et ce qui est en train de se passer est absolument énorme. Plusieurs stacks en dessous des 10 000, ce qui devient dur à jouer, évidemment, à une table finale avec des blindes à 10 000, 20 000. Je suis avec 5 et 2 en main, évidemment, je me suis couché. Je rappelle que cette vidéo d'ailleurs est une vidéo d'une suite de 3 vidéos qui est sur un tournoi. Et que voilà, tout simplement. Alors, Queen 5 pour Omega, 8-6 pour Paulina, 9 King pour Phil Ivy qui l'emporte. Et c'est Phil Ivy qui l'emporte avec double paire Valet 9. Deux éliminations pour Phil Ivy. Et on est donc plus que 6 joueurs dans ce tournoi, dont un qui est inactif, qui ne va pas tarder donc à perdre puisqu'il lui reste moins de 3 grosses blindes. Alors attention, si c'est Aspar et Romain, évidemment ça se joue à ce stade du jeu, il faut le jouer, essayer d'engranger le maximum de jetons. Ou alors tout simplement passer parce que les blindes sont trop hautes, c'est joué avec 6 et As. 3 personnes encore en jeu. Un As qui sort, première paire d'As. Première paire d'As qui annonce du bon. Allez maintenant. Faut espérer, deuxième paire avec le 6 qui sort. Double paire As-6. Allez, on va relancer maintenant. Ce sont les blindes de toute façon. Phil Ivy qui passe. Mafiou qui joue. On a potentiellement le meilleur jeu possible. À moins d'une paire en main, c'est gagné. C'est gagné à 6 et 112 000 jetons d'engranger. On passe premier stack à table, me semble-t-il, ou pas loin en tout cas. Premier ou deuxième stack à table. On va le savoir en quelques secondes. Et premier stack à table, magnifique. Allez, 8 kings en jeu, en main, ça se joue également. Terme évidemment qui ne se connecte toujours pas et ça risque d'être très difficile pour lui s'il ne se connecte pas bientôt parce qu'il est quasiment le short stack à table. Alors attention. Attention maintenant. Et deux kings qui sortent. Le brelan de roi. Meilleure combinaison possible. À moins d'avoir roi et 3 dans son jeu. Pour ce flop. Et des jetons pris en plus. Allez. On se dirige tranquillement vers la victoire. Tranquillement. Il faut espérer qu'on continue sur cette lancée. Allez, il ne reste donc que 6 personnes, et c'est bientôt fini. Anaïs qui est obligée de mettre son tapis. Allez, paire de 9 en main, on a que des bonnes mains pour l'instant, Il n'y a plus qu'à espérer que cela nous porte bonheur. Pas de 9 qui sort, c'est normal. Très peu de chances de l'obtenir, 10% de chance en fait d'obtenir un 9 maintenant. Allez, on va simplement checker, le pot est assez imposant pour ça.
Allez, on va le jouer. On a la troisième paire possible sur le jeu. C'est très dangereux de jouer ça, mais on va la jouer quand même. Paire de 9. Et c'est gagné avec paire de 9. C'est gagné, on est largement au-dessus des autres. Largement au-dessus. Allez, maintenant il faut tenter d'assurer face aux autres. Même si on n'a pas plus de la moitié du stack total. Bah, il faut tenter d'assurer. Difficile à jouer. On va les laisser, on va les laisser jouer. Avec 6 et King, c'est jouable, mais ça me paraît dur. Il y a peut-être une paire d'as en main chez quelqu'un. Terme qui a été obligé de miser son tapis sur cette blinde. Le valet qui sort qui va peut-être sauver Terme. Et Terme qui l'emporte en étant déconnecté. Incroyable ce qui vient de se passer. Heureusement il était le plus bas stack à table. Et il n'a donc que gagné que très peu. Il n'a pas éliminé les autres. Mais c'est presque fait pour Coucou qui est obligé de miser son tapis en pré-flop. Ça devient très très dur avec 3 queens en main. Ça reste jouable, mais on va éviter de le jouer sur des tapis. Alors attention maintenant, la queen qui sort, qui nous aurait permis de gagner. Sortez un as ou un king. Pas d'as ou de king. On aurait gagné. On aurait fait une double élimination, mais tant pis. Tant pis, ce n'est pas grave. On n'est plus que 4 à table, les amis. Plus que 4 à table, et c'est bientôt la victoire. Bientôt la victoire parce qu'on a le double des stacks de n'importe qui à cette table. On peut espérer l'emporter largement. Le tapis à 176 000, on se couche, mais ça va devenir dangereux de faire ça puisque Phil Wavy qui va se hisser à bientôt 260 000 jetons, presque 260 000 jetons. Va falloir faire attention à Phil Wavy. Mafiou qui est à 84 000, qui se retrouve en 3ème position. Terme, 4ème position. On est toujours chip leader. Allez, 10 queens en main. C'est passé pour Phil Wavy. C'est joué. Allez, maintenant il faut espérer qu'on fasse l'élimination. Il faut l'espérer. Paire d'as qui sort. On a le meilleur jeu pour l'instant. Le valet. La queen. C'est remporté. Allez. 76 458 jetons de plus. On passe largement chip leader. Allez, maintenant il faut tenter d'assurer le coup. 7 et As pareillé. Jouable. Et c'est joué. Phil Wavy qui va simplement checker et qui du coup nous avons 4 piques, presque une couleur, la paire d'as au moins qui assure et c'est pris. Mafiou qui est en très mauvaise posture avec 43 000 jetons. C'est encore jouable mais il lui reste plus qu'une juste au-dessus d'une blinde. Ça va être très très dur à jouer, il va devoir jouer son tapis pré-flop quasiment. En tout cas il ne peut pas passer sur la main suivante. Ça me paraît difficile. Ça me paraît difficile puisqu'il va utiliser la moitié de son tapis. C'est joué évidemment. Et on va donc le checker. Allez, 3 piques. C'est misé à tapis. On va le jouer quand même. L'élimination peut-être de Mafiou maintenant. La paire de 6. Et c'est gagné pour Mafiou. Paire de 6 contre paire de 4. Mafiou qui reprend le pot. 87 858 jetons de prix. Et Mafiou qui reste dans la course. Et on est toujours chip leader. Largement pour l'instant de plus de 100 000 jetons. Mais il faut faire attention quand même. C'est loin d'être gagné. C'est très loin d'être gagné maintenant. Pas faire de bêtises évidemment. Passer ce 6-10 qui n'est pas suffisant pour jouer. Surtout avec le flop qui sort. As-Queen. S'il grossement avait été joué, c'était injouable pour nous. C'est joué. Attention Mafiou qui mise le tapis. Encore une fois. Et c'est gagné avec la suite. La suite de Mafiou et Phil Wavy qui se retrouvent en mauvaise posture. Maintenant, puisqu'il passe short stack, la partie est serrée. Mafiou qui est donc maintenant à 190 000 jetons, chose qu'il ne pouvait que très peu espérer. Il y a demain de cela. Allez, Queen As, 3 cartes pour la suite et tout de même une bonne main, une bonne hauteur en main. C'est joué à 40 000. Le valet qui sort, qui peut donner l'espoir de suite. Allez, il y a plusieurs cartes en sortie possible. L'as qui sort, la paire d'as.
C'est joué à tapis. Et Mafiu qui a la double paire. King 3, moins puissante que l'as, mais ça reste deux paires. Mafiu qui passe largement. Chip leader. Chip leader dans cette partie. C'est dur. C'est très dur ce qui vient de se passer. On vient de perdre deux tiers du stack et les blindes qui viennent de passer à 80 000. Mafiu qui est chip leader et qui a très bien géré sur ces trois dernières mains. C'est injouable pour l'instant, c'est injouable. Simplement checker. Et Mafiu qui perd cette fois-ci. Mafiu qui perd cette fois-ci et on reprend 163 000 jetons. Avec une simple hauteur. Avec une simple hauteur. Mafiu qui... qui passe sur ce pré-flop. On va le passer aussi. On va lui donner 40 000 jetons. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va tout simplement espérer que la situation s'inverse. Parce que là, ça va devenir très très dur. Il faut à tout prix que l'on prenne les jetons de Philo Ivy. Parce que sinon... sinon, eh bien... eh bien, la partie va devenir trop juste pour nous avec les blindes. On a à peine plus de deux blindes maintenant. 6-10, c'est passé. C'est joué à tapis pour Phil Wybie. Attention, il ne faut pas que Phil Wybie perde maintenant. 7 et 4. C'est joué 8-6 contre 7 et 4. La main de Mafiu est meilleure. La paire de 8 qui sort, c'est fini. C'est fini. Phil Wybie éliminé, 3ème position de ce tournoi. Phil Wybie éliminé et là ça va devenir beaucoup trop dur pour nous. Beaucoup trop dur à seulement deux blindes. Seulement deux blindes et là... et là c'est le drame, j'ai envie de vous dire. Allez, King et Valet en main mais aucune paire pour l'instant. Allez, on va la jouer, on va la jouer ou se coucher. Ah, c'est trop dur à jouer malheureusement. C'est trop dur à jouer mais Mafiu qui joue sur son nombre de jetons. Et qui a de quoi? Il a de quoi? Alors, qu'est-ce qui serait sorti ensuite? 10 et 4, double paire, hauteur, hauteur roi, kicker roi. Pourquoi pas? Pour l'instant, on ne peut pas espérer grand-chose. C'est plus la défaite, la deuxième place qui se profile plutôt que la première. Mais pourquoi pas espérer? Pourquoi pas espérer? Allez! Valet dame, pareillé, peut-être pour la couleur. Le 5 qui sort pour l'instant. Mais la couleur pique. Et surtout la paire de dames. Plutôt l'inverse, la paire de dames et surtout la couleur pique. Qui nous permettent de rester pour l'instant à 194 000 jetons. Allez, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, on est à la moitié de son stack. Et la moitié de son stack reste jouable. Allez, c'est suivi. C'est suivi, c'est checké pour Mafiu. Et il va évidemment relancer, non pas tout de suite. 4 cartes pour la couleur. Le 5 qui sort. Il aurait fallu relancer. Ou pas, car c'est gagné avec la paire d'as. C'est gagné avec la paire d'as pour Mafiu. Les parties sont vraiment très très dures. Trop dures pour l'instant pour être jouées. Normalement, il nous reste moins de 2 grosses blindes. Et là, ça... et là, ça commence à devenir trop dur. Trop dur, beaucoup trop dur pour espérer l'emporter. Allez, paire de 6. Paire de 6. Le 9 qui sort. La couleur potentiellement possible. La suite aussi possible. La suite avec un valet, c'est possible. Faut faire attention. Allez, il n'a pas le valet. Il n'a pas le valet. Il n'a pas le valet, forcément. Il a vu la suite. Il a vu la suite. Et c'est remporté. C'est remporté, bad beat, malheureusement. Mais c'est remporté, Mafiu qui remporte le tournoi en termine. Deuxième, seulement deuxième sur 135. Ah, c'est dur. Que c'est dur, mais c'est remporté pour Mafiu. Quelle partie, très franchement. Je dois vous avouer que cette partie en la jouant, j'étais vachement déçu parce qu'on est arrivé quand même chip leader sur cette étape finale à un moment. On est arrivé chip leader, mais malheureusement la victoire ce sera pas pour cette fois. On termine tout de même deuxième sur 135 me semble-t-il. Je me souviens déjà plus. En tout cas, je suis très content d'avoir fait cette partie avec vous. Et on va se retrouver eh bien une prochaine fois pour une nouvelle partie de poker. Ou pour d'autres vidéos en général. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se dit à la prochaine. Allez, bye tout le monde.